Bonjour et merci Samy de nous avoir rejoint. Donc je rappelle, hein, Samy Slim, président de Téléhouse France. Téléhouse vient de participer à un événement important en France qui s'appelle Choose France et fait partie aux côtés de Microsoft, Amazon, hein, qui occupe l'actualité. Mais en réalité, Téléhouse est également présent avec une sacrée annonce en termes de projet pour les data centers. Tu peux revenir sur cette actualité? Bonjour Yves, merci beaucoup pour le temps que tu nous consacres. Effectivement, nous avons eu l'honneur d'être invités par le président de la République le lundi 13 mai au sommet Choose France. Et nous avions en fait été mis à l'honneur en tant que le tout premier, le plus grand investisseur en data center pur en réalité, parce que nous avons annoncé et nous sommes engagés sur 1 milliard d'investissements en France sur l'extension et la création de nouveaux data centers. Téléhouse, sachant que les autres annonces, en tout cas dans leur majorité, incluaient non seulement le data center physique, mais également les équipements, les centres logistiques, etc. Donc nous, c'est vraiment du data center pur, hein. C'est vraiment les bâtiments qu'on va construire qui sont dans le scope de cette annonce. Et donc ça nous a valu effectivement un accueil extraordinaire de notre maison mère japonaise et de moi-même à l'Élysée, avec le président de la République, le Premier ministre, ainsi que plusieurs ministres qui ont témoigné du soutien de la France à l'implantation et le renforcement de l'implantation des téléhouses sur le territoire. Alors, c'est bien de le présenter comme ça, parce qu'on pourrait aussi le présenter comme étant le soutien de Téléhouse au déploiement des data centers et des infrastructures en France. Faut rester également humble, mais la réalité est qu'effectivement, les investisseurs dans ce domaine se comptent sur les doigts d'une main, hein, au niveau mondial. La France a le privilège d'attirer ces investisseurs-là, pas que nous, hein, il y en a beaucoup effectivement qui investissent en France, parce que la France est un pays attractif pour les data centers. La première raison et la plus fondamentale, c'est la position géographique de la France. Hein. Nous, typiquement, nos annonces, elle concerne deux régions, la région Sud et la région Île-de-France. À elles seules, ces deux régions, elles permettent de faire la jonction entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de la planète. C'est quand même une chance incroyable qu'a la France de par sa géographie. Le deuxième élément différenciant de la France, c'est bien entendu son énergie décarbonée, faite d'un mix équilibré entre le nucléaire pilotable et les énergies renouvelables. Et enfin, le pool de talents exceptionnel qu'il y a en France, aussi bien dans les métiers de data center que dans les métiers périphériques au data center, tels que l'intelligence artificielle. Alors, tu as évoqué un rapport nord-sud qui se construit, qui est important. Moi, j'aimerais bien évoquer, parce que je sais que ça fait partie de ton discours et qu'il est important, c'est un rapport aussi est-ouest entre le Japon et la France. Alors oui, en fait, l'une des raisons également pour lesquelles le gouvernement français nous a réservé un accueil extrêmement chaleureux, c'est que nos projets, nos data centers en France, s'inscrivent dans le cadre d'un rapprochement entre l'Union européenne et le Japon sur la data. Donc l'Union européenne et le Japon ont signé en 2014 le premier plus grand accord de libre-échange de la donnée entre les deux blocs, qui dit grosso modo que ma donnée personnelle, la donnée de santé, peut se balader entre Paris et Tokyo en étant protégé de la même manière juridiquement, ce qui est une avancée considérable, c'est unique au monde. Et à partir de cet accord-là, il y a eu plusieurs accords bilatéraux entre les pays de l'Union européenne et le Japon pour renforcer le partenariat dans le numérique, et notamment un accord très spécifique entre la France et le Japon, qui a été d'ailleurs signé et conclu et acté par le Premier ministre japonais et le Président de la République il y a 2 semaines, hein, juste avant Choose France, et qui dit que finalement, les capitaux étrangers que souhaite finalement attirer le plus la France, ce sont les capitaux respectueux de la souveraineté française sur sa donnée, qui signent ce genre d'accord de libre-échange, qui évitent l'extraterritorialité des lois étrangères qui s'appliquent à certains data centers, et qui donnent un cadre de confiance aux data centers qui hébergent l'économie française. Donc effectivement, il y a un focus particulier sur l'origine de nos capitaux qui est une origine japonaise. Alors, revenons sur cette opération d'investissement d'1 milliard d'euros. On va d'abord rappeler que ça permet à Téléhouse d'évoluer au même niveau que ses grands concurrents de la colocation, qui sont dans ce
type de volume d'investissement. Comment ça va se concrétiser? Tu as évoqué le fait d'avoir des développements sur Paris et Marseille. Oui, alors, très concrètement, cette enveloppe d'un milliard d'euros d'investissement, elle se ventile de la manière suivante. Rappel rapide, aujourd'hui, Telehouse, c'est deux campus de data center, un dans le centre de Paris, qu'on appelle TH2, et un dans les Yvelines, qu'on appelle TH3. Donc, c'est des grands campus qui concentrent plusieurs bâtiments et qui font aujourd'hui l'activité française de Telehouse. C'est le fruit de l'histoire de 25 ans de Telehouse en France. Ce qu'on va construire là avec ce milliard d'investissements sur lequel, encore une fois, le groupe s'est engagé, c'est ce qu'on a fait en 25 ans, on va le faire en 5 ans. On va rajouter deux nouveaux campus de data center, un en Ile-de-France, un en région sud. Chacun fera environ une cinquantaine de mégawatts par campus. Et on va renforcer le campus de TH3 en rajoutant 20 mégawatts IT supplémentaires sur le campus de TH3. Donc, TH3, c'est dans les Yvelines. Donc, ça, c'est la ventilation concrète de cette enveloppe d'investissement sur laquelle Telehouse s'est engagé et que je vais moi-même et mes 100 salariés en France maintenant m'atteler à livrer. Alors, une question peut-être plus personnelle. Tu es le patron de tout ce projet, hein, donc pour la France. Comment tu le prends? Comment tu l'acceptes? Et est-ce que ce n'est pas quand même une charge bien particulière pour toi, par rapport à ton activité, et comment tu le supportes? Allez. Alors, c'est effectivement une charge particulière, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, c'est un succès entrepreneurial que de pouvoir mobiliser des capitaux à la hauteur de l'ambition de ces équipes. Il faut savoir que moi, c'est mes équipes qui me poussent à croître. Ils en veulent, parce que les clients en veulent également. Et le travail est là, la demande est là. Et donc, si on arrive à aligner les capitaux derrière, c'est du gagnant pour tout le monde, hein, les salariés, les clients et les investisseurs. Le job d'un patron de boîte, c'est de faire l'arbitre entre les clients, les salariés et les actionnaires, justement. Et finalement, la charge qui m'incombe derrière cette enveloppe d'un milliard d'euros dont je suis désormais responsable, c'est de trouver le bon équilibre, justement, de partage de la valeur entre les clients, les salariés et les actionnaires. Et ça, c'est une charge particulière, effectivement. Et bon, maintenant, avec 13 ans de métier dans la maison, j'arrive finalement à gérer plus ou moins correctement ce genre de pression. L'autre charge, c'était aussi une forme de responsabilité. Cette enveloppe, c'est une responsabilité qui m'engage vis-à-vis de mon actionnaire, parce qu'elle doit être à la hauteur du succès qu'on y attend. Cette enveloppe m'engage auprès du gouvernement français, qui m'a fait l'honneur de m'accueillir à Versailles lundi dernier et qui, honnêtement, est très mobilisé derrière Telehouse en particulier, mais dans la filière de data center en général, je trouve, qui a une vraie écoute sur les problématiques de la filière et qui a des choses de plus en plus concrètes qui sortent pour nous. Et puis enfin, la responsabilité et le sens finalement de la pression, il vient d'abord et avant tout de nos clients. Nous avons des clients qui nous demandent cet espace dans la région sud, en Ile-de-France. Ces demandes-là, finalement, elles sont liées à l'arrivée de certaines innovations technologiques de leur côté, par exemple l'intelligence artificielle. Donc les clients reçoivent du hardware, des équipements, qui doivent installer dans des data centers de confiance. Et donc, il faut livrer des data centers dans la temporalité souhaitée par les clients. Et ça, c'est presque, j'ai envie de te dire, la responsabilité la plus lourde. Livrer dans les temps nos clients. Merci, Samy, pour ces informations. Et puis, on rappelle qu'on te retrouve également, entre autres sur notre chaîne YouTube, où on peut découvrir les travaux réalisés sur les data centers de Telehouse, et on va continuer d'ailleurs de publier en la matière, et on continuera de vous suivre sur ces projets. Merci. Merci, Yves.